Shivaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, page 104, verset 26, troisième chapitre. Avatalaya Shankheya. Hare sadvam nided vijaham. Yatad vidashina kuryam. Sarat shashyu sahasrashah. Avataraya shankheya. Hare sadvam nided vijaham. Yatad vidashina kulya sarat shashu sahasra shaha. Prochain. Traduction. Ô chef des Brahmanas, juste comme des milliers de ruisseaux coulent d'une source inépuisable, une multitude d'émanations descendent de la source du Seigneur suprême, la source de toutes les existences. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, ce verset explique que cette liste d'avatars fournie dans ce chapitre n'est qu'un résumé, puisque quelques-uns comme Hayagriva et Amsha n'ont pas été mentionnés dans cette liste. Dans ce verset, le Seigneur a été comparé à un trésor, ou à un océan de formes pures faites d'éternité de connaissances et de félicité, parce que celles-ci ne peuvent être comptées. Le mot avidashina signifie inépuisable, car normalement un lac devient asséché si l'on puise son eau. Or, des avatars sans nombre surviennent du Seigneur comme des milliers de petits ruisseaux, de rivières naturelles, coulant de son lac inexhaustible. Le mot ashankeya signifie qu'il ne peut être compté. Cependant, il y a une autre signification peu connue. C'est une signification qui veut dire peu connue. Certains, comme les Purusha avatars, sont plus célèbres, alors que d'autres avatars sont moins connus. Omaganati milandasya ganam jalam shalakaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Chinamine Namaste Sarasvati Deve Golavani Pracharine Nirvesesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Quand je suis parti ce week-end faire des conférences, à un moment, j'ai reçu un couple de gens très gentils et très sincères. Et la dame me parlait de sa connexion avec le divin.
Et j'avais cette réalisation en moi, et c'est vrai, le Seigneur l'explique quand il énonce ce verset, qu'en fait il réciproque avec tous les êtres. Et dans le Shrimad Bhagavatam, il explique aussi que c'est selon la connaissance et les austérités des vies d'avant que le Seigneur réciproque. Donc, tous les êtres ont une connexion avec Krishna, mais c'est selon le désir qu'ils ont d'être avec lui qu'il se manifeste. Et c'est ça, la seule différence qu'il y avait entre elle et moi, c'est que moi j'avais un désir et elle avait un autre désir. Mais on pourrait se dire, pourquoi nous avons des désirs différents puisque la vérité est une? C'est parce que le désir, il vient par l'association de personnes. Si on s'associe qu'avec nous-mêmes, alors on a l'héritage de notre désir de nos vies passées. Et naturellement, le Seigneur réciproque. Et moi, c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie, en fait. Dès que j'ai prié le Seigneur, tout de suite, en fait, dès les premiers instants, pouf, c'est revenu. J'ai rien demandé, pouf, la connexion est revenue, d'une certaine manière. Et dès que je suis rentré en contact des Vaishnavs, le Seigneur s'est manifesté d'une autre manière, à moi. Et donc, on voit simplement, c'est selon la connaissance qu'on reçoit que le Seigneur se manifeste. C'est pour ça qu'on a besoin d'une filiation spirituelle authentique. Parce que par nous-mêmes, on est simplement le Seigneur réciproque avec notre sentiment. Au point qu'il dit, dans un verset, il dit qu'il prend la foi, la forme, et il donne le fruit à l'être vivant. Ça veut dire que le Seigneur a des formes illimitées, des aspects illimités. Et même la foi de l'être, c'est quelque chose qui existe déjà en Dieu. Parce que l'être vivant est tout petit, il ne peut rien inventer. Donc la connexion qui existe entre l'être vivant et le Seigneur, elle est aussi existante déjà. Le Seigneur est illimité. Mais il y a des aspects plus intimes dans le Seigneur suprême. C'est ce qu'explique les Védas. Il y a une graduation de nature que le Seigneur manifeste. Par exemple, dans un premier temps, il manifeste sa grandeur. Au point que les gens ne peuvent même pas comprendre que le Seigneur a besoin de quelque chose. Ce n'est pas possible. Ce serait une offense, un blasphème, de penser que même le Seigneur, il pourrait même avoir une mère ou un père ou des amis, ou même tomber amoureux. C'est du délire. Il est le suprême dont tout émane. Vous comprenez? Donc cet aspect de grandeur enlève toute possibilité d'avoir une relation avec lui. Et simplement, on veut avoir une relation où soit on veut un royaume que le Seigneur va nous donner, ce qu'on appelle le paradis, où on va pouvoir être heureux grâce à lui. Et on va pouvoir le louer. Et ce bonheur, il est véritable, parce que les gens qui adorent le Seigneur de cette manière-là, ils peuvent atteindre les planètes supérieures et vraiment avoir une vie qui est même inconcevable pour les gens du monde matériel. Parce qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de vieillesse, mais on y reste le temps des activités pieuses qu'on a acquises. Une fois qu'elles sont consumées, on revient sur Terre. C'est pour ça que c'est pas une position éternelle. Mais ça existe. Et cette félicité que les gens goûtent, c'est quelque chose qui, pour un matérialiste, est incommensurable. Ils ont des beautés extraordinaires, il y a des parfums extraordinaires, des endroits extraordinaires où tout est limpide, doux, merveilleux, et ils peuvent jouir de la vie sexuelle d'une manière illimitée. Parce que le corps permet de jouir. Par exemple, dans le monde matériel, la jouissance, si elle est trop forte, on quitte le corps. Donc même le plaisir sexuel, il est petit pour l'être humain, c'est tout petit. Mais sur ces planètes édéniques, le plaisir sexuel, il est beaucoup plus grand. Donc quand les gens entendent parler de ça, ils deviennent avides de jouir de cette manière-là de la vie sexuelle. Et en plus, sur ces planètes édéniques, vous ne faites pas de karma. Ça veut dire que vous jouissez sans péché, en plus. Alors qu'ici, vous pouvez
faire des erreurs avec la vie sexuelle et vous dégrader. Donc naturellement, les gens sont prêts à se priver, à suivre des lois pour jouir plus après. Et c'est leur désir. Bien qu'ils soient mariés, par exemple, moi je me rappelle, j'ai vu un chef religieux prêcher, vous aurez 20 vierges au paradis, et en plus, même quand vous avez un rapport avec elles, elles redeviennent pures. Donc même qu'ils sont encore mariés, mais dites déjà d'avoir d'autres femmes, vous comprenez ? Leur but, il n'est pas de rester là. Leur but, il est de plus se réjouir. Donc, ils adorent Dieu pour avoir une vie de sexe, en fait. C'est la sexualité, en fait. Vous comprenez ? Parce que moi, j'ai vu directement prêcher, il dit le paradis, vous aurez 20 vierges. Mais c'est vrai. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles sont, elles ? Donc, c'est des conceptions corporelles. Parce qu'on ne comprend pas la nature de l'âme. On pense qu'il y a la femme et il y a l'homme, donc l'homme, lui, il oblige 20 vierges. Ouais, toi, un harem de femmes, il va passer sa vie à faire de la vie sexuelle. Vous comprenez ? Alors, je ne suis pas au courant pour les femmes ce qu'elles ont. Hein. Mais l'homme, lui, il peut avoir 20 vierges qui redeviennent toujours vierges. Ouais. Donc, le Seigneur attire les êtres de cette manière-là. Pourquoi ? Parce que le moteur, c'est la vie sexuelle pour l'âme conditionnée. Donc s'il entend qu'en adorant le Seigneur, je peux avoir 1000 fois plus de vie sexuelle. Donc il se dit, pourquoi pas ? Et en plus, naturellement, quand on adore le Seigneur suprême, même pour des désirs matériels, ça amène une félicité dans la vie. Ça augmente la vertu. Et on devient naturellement plus heureux. Vous comprenez ? Donc au départ, on est attiré par 20 vierges, et puis graduellement, si on est sincère, on va découvrir quelque chose de supérieur. Le Seigneur va venir nous influencer et se rendre compte que ce n'est pas le but de l'existence de la vie sexuelle. Et on va naturellement, il va nous donner l'intelligence pour comprendre qu'il est une personne. Il n'est pas simplement puissant, parce que ce n'est pas un aspect très grand de lui. C'est un aspect impersonnel. C'est un aspect qu'il est à la fois là et à la fois pas là. C'est pas, vous savez, les univers, quand Karanda Kashé et Vishnu, de chaque pore de sa peau émane des univers, il dort en fait. Donc il n'en a même pas conscience. C'est des expirations et des inspirations. C'est pas grand chose. Et Karanda Kashé Vishnu, c'est juste une émanation d'une émanation d'une émanation du Seigneur suprême. C'est juste un aspect, en fait, du Seigneur. Donc, quand on rentre en contact avec des personnes qu'on plus, automatiquement, notre conception, elle va être heurtée. Pourquoi ? Parce qu'au début, on est très attaché à notre conception impersonnelle. Et on pense que c'est même supérieur que le personnalisme. Mais à un moment, en fait, Krishna lui-même vient détrôner notre conception pour la chasser. C'est expliqué, c'est comme un lion. Quand un lion rugit, tous les animaux de la forêt partent en courant. Or, quand la conception de Krishna vient, elle est tellement plus merveilleuse que juste des énergies et des voix, quoi. Parce que finalement, on ne goûte pas grand-chose sur ce plan-là. Alors pour quelqu'un qui ne goûte rien, c'est inconcevable. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je me fondais dans le Brahman. Alors tu vous liquifiez dans l'amour universel. C'est des trucs de fou. Vous vous dites, toutes les 5 minutes, vous vous replongez dedans, vous restez des heures dedans. Mais à un moment, c'est passif. Parce que l'âme, elle a besoin d'agir. Et vous le découvrez. Parce qu'à un moment, quand vous faites 1 heure de méditation, 2 heures, 3 heures, vous êtes dans la félicité, complètement immergé dans la félicité, mais vous sentez que l'âme a besoin de bouger. Vous sentez, c'est comme un bébé dans le ventre. À un moment, il a envie de sortir du ventre. L'âme n'est pas impersonnelle, c'est une personne. Et donc, naturellement, quand ce désir va venir dû à une insatisfaction même dans le Brahman, alors le Seigneur va faire un arrangement pour que vous puissiez avoir une connaissance de lui plus complète et que votre désir puisse augmenter. Et là, à partir de là, quand votre désir augmente, alors il va réciproquer avec vous d'une manière qui contient moins d'opulence et plus de douceur. Or, la douceur, ça veut dire quoi ? Que le Seigneur va avoir besoin de quelque chose. D'amour.
de manger, de faire ceci, de faire cela. Et là, naturellement, il vient la conception que vous avez une place merveilleuse dans une relation d'amour. Et c'est là que la dévotion commence, pas avant. Avant, ce n'est pas de la pure dévotion. Pourquoi ? Parce que même quand vous êtes dans le Brahman et que vous êtes libéré dans cet état-là, vous n'avez pas conscience de votre réalité éternelle. Vous êtes juste conscient de la félicité, d'une petite félicité, d'une toute petite félicité qui est incommensurable déjà. Elle est tellement incommensurable que vous pouvez vous libérer de toute conception quand même corporelle de l'existence, d'attachement, d'attirance, pour la vie sexuelle, pour la nourriture, pour tout. Juste en respirant par le prana. Juste en vous libérant en fait de toutes les conditions matérielles qui sont finalement, Prabhupada explique que l'âme elle est prisonnière d'airs vitaux, des airs. Quand vous la libérez des airs en fait, elle peut manifester en fait sa conscience, son extase, sa félicité, ananda. C'est juste ça en fait. La plupart des gens sont juste dans cet état-là. Et la connaissance elle est liée simplement qu'on comprend qu'on est au-delà du monde matériel, que tous les rapports qu'on a, c'est temporaire et ça fait souffrir. L'attachement dans le monde, ça fait souffrir. Par exemple, moi j'entends parfois des gens, et c'est vrai, ils disent « Ah, ça c'est l'arrangement de Krishna, ça c'est Radharani ». Mais en fait c'est faux. Quand c'est Radharani, on voit Radharani, on voit sa forme transcendantale. C'est pas qu'on est attaché à un homme ou une femme et on tombe dans l'illusion, on fait souffrir tout le monde. C'est pas ça Radharani. Ça, c'est Maya. En fait, les gens utilisent Krishna ou Radharani pour cacher leurs erreurs. Mais l'illusion, ce n'est pas Radharani qui nous illusionne à nous attacher et à faire souffrir les uns et les autres. La preuve, c'est quand ces gens-là, ils disent ça, ils arrêtent de pratiquer. Et leur goût pour la vie spirituelle s'arrête. Radharani, ce n'est pas le péché. C'est pourquoi Maya est puissante, en fait. Beaucoup de dévots sont tombés, en fait, en sentant qu'ils étaient attachés à un dévot. Moi, j'ai vu des choses mais incroyables, en peu de temps. Tu vois. J'ai vu des gens penser qu'ils avaient des relations complètement transcendantales, alors qu'ils étaient juste attachés au corps. Il faut faire attention. Quand on progresse, c'est Krishna et Radha, ou les grands Vaishnavs qu'on reçoit dans notre cœur. Ce n'est pas des âmes conditionnées. Quand on est amoureux d'une âme conditionnée, c'est qu'on s'est fait piger par Cupidon, basta. Et on ne dit pas que c'est Radharani qui fait un arrangement, quand même. Mais ça c'est de la folie, quoi. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes attaché comme ça, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un vous dit que c'est faux, ça devient votre ennemi. Même le gourou, vous allez l'attaquer après. Vous pensez qu'il vous détruit la vie alors qu'il essaye de vous sauver. Une personne comme ça, c'est un danger. C'est Maya personnifiée qui vient pour vous reprendre. En fait. Et quand c'est trop tard, les gens partent. Combien de dévots sont partis, comme ça, en secret, paf. Ils ont quitté femme, enfant, service de dévotion. À cause finalement d'offense. Même des Vaishnavs, Hari Kesh Maharaj par exemple, qui avait obtenu des grâces de Prabhupada. Prabhupada, il avait dit que c'était le plus grand petit-fils de Bhaktisiddhanta. Carrément, Prabhupada, il pleurait des fois, tu vois, quand il voyait le service de Hari Kesh Maharaj. Attention, hein. Et il est tombé. Hein. Maya est puissante. Si des gens comme ça peuvent tomber, tout le monde peut tomber. On doit vraiment faire attention. Maya est tellement subtile. Et c'est normal. Regardez ce monde matériel. L'énergie matérielle, elle ensorcelle les gens au point qu'ils créent une société sans Dieu. Alors qu'il est l'origine de tout, il est partout. C'est balèze. Les gens, ils pensent que Dieu est une chimère dans l'âge de Kali, alors qu'il est dans leur cœur, dans le cœur de l'atome, partout. Mais pour ça, il faut être un pur dévot pour voir ça.
Donc naturellement, si vous rencontrez des purs dévots, que vous écoutez des purs dévots, votre vie va changer, votre conception va changer. Même pire, quand vous allez expérimenter même des extases dans le Brahman, vous allez vouloir en sortir très rapidement, parce que ça ne vous donnera aucune félicité. Parce que l'extase spirituelle, véritable, prême, quand prême est expérimenté, ça veut dire quand l'être peut expérimenter son service éternel au Seigneur suprême, à Golok Vrindavan, c'est fini après. Aucune autre félicité peut lui donner du bonheur. Tout paraît comme perverti. Rien ne peut satisfaire l'être vivant. Que dire des plaisirs matériels comme la vie sexuelle ou l'amitié matérielle, toutes ces choses-là. Et la félicité spirituelle, elle peut se goûter facilement si on est sincère. Il suffit de chanter avec un peu de foi. Si vous chantez au niveau de Ruchi, vous sentez une extase, même le Brahman, c'est rien. Déjà, à Nishta, vous pouvez expérimenter Brahma Bhuta Prasanatma, le plan du Brahman, juste à Nishta. Mais ça, il faut faire un peu d'austérité, contrôler les sens, contrôler le mental, suivre les enseignements des Acharyas, avoir foi dans les enseignements des Acharyas, les porter sur sa tête avec fierté. Sans ça, on restera toujours au même niveau. Le même niveau, c'est quoi? J'ai la vérité absolue, j'ai déjà tout, j'ai besoin de rien. On ne progresse pas. Il faut avoir des gourous qui sont supérieurs à nous. Les gourous, ils sont dans les livres aussi. S'ils ne sont pas disponibles extérieurement, vous pouvez les trouver dans les livres. Parce que Krishna est dans le cœur, et ses dévots sont dans le cœur. Celui qui est sincère, il peut établir une connexion. Prabhupada a dit, je suis dans mes livres. Pourquoi il aurait dit ça? Il y en a maintenant qui n'ont plus foi dans ça. C'est vrai. Ils n'ont foi que dans le gourou physique. Mais à quel niveau est le gourou physique? On peut imaginer des choses. Tous les disciples disent que leur gourou est pur et c'est un Mahabhagavat. Et pourtant, il y a des erreurs qui sont faites par ces soi-disant Mahabhagavat. Il y en a qui ne sont pas complètement dégagés de l'envie même. Donc il faut comprendre que pur dévot, c'est rare. Un associé du Seigneur, c'est rare dans ce monde matériel. C'est très, très, très rare. Il y en a peut-être pas. Mais en tout cas, ils sont dans les livres. Ça, c'est sûr. Krishna Kaviraj Goswami, il est là. Upa Goswami est là. Vishvacharya Thakur est là. Ils sont là. Simplement, on doit naturellement écrire des livres avec leurs paroles pour les adapter. Parce que les gens n'ont pas la qualification pour lire Vishvacharya Thakur. C'est pas possible. Même j'ai vu les livres Prabhupada, les gens ils font ça, c'est bon. Mais moi c'est plein, quoi. J'en ai vu plein. C'est parce que Krishna m'a fait voir ça. D'autres ils n'ont pas cette expérience. Moi j'ai eu ces expériences parce que j'ai toujours touché des gens qui sont, dans la société et qui étaient des personnes d'un certain charisme, quoi. Ça leur allait pas, c'était trop tranchant, ils ne pouvaient pas lire Prabhupada. Il y avait des choses, ça ne passait pas. Mais c'est pas un, c'était des tonnes, quoi. Donc notre but, c'est d'écrire pour que les gens puissent accepter et progresser, pour que leur désir puisse augmenter et que le Seigneur se révèle dans sa douceur et pas dans son opulence. Et à ce moment-là, ils vont comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Mais il faut déjà pratiquer nous-mêmes. Si les dévots, ils font n'importe quoi dans leur vie et qu'ils ne goûtent pas la félicité et qu'ils ne sont pas satisfaits eux-mêmes, ça va être un théâtre de désastre. Moi, je me rappelle, à un moment, j'ai été visiter, par exemple, le sud de la France. J'ai été un jour ou deux, mais j'ai vu des dévots qui s'échangeaient des femmes et tout. J'ai vu des trucs de fous. Je dis, mais c'est pas possible.
Et pourquoi on en vient à là? C'est parce qu'il n'y a pas Brahmabhuta Prasanatma, il n'y a pas de félicité qui est expérimentée, qui fait qu'on se détache du plaisir. On devient satisfait en nous-mêmes. Au moins ça, ça c'est le minimum. Ça devient, on devient satisfait. Satisfait, ça veut dire qu'on va arrêter d'embêter les autres. On ne va pas être une machine de frustration qui pète les câbles tous les deux secondes. Ou qui embête les autres parce qu'il a besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. La chasteté, naturellement, ça veut dire satisfaction. Et notre satisfaction, on ne la trouve pas avec une autre personne que Krishna. Ce que Prabhupada nous a appris, c'est qu'en satisfaisant Krishna, on obtient la satisfaction. Notre but, c'est d'apprendre à se connecter avec la réalité suprême. Et après, cette connexion, quand elle va véritablement nous apporter une félicité énorme, elle va complètement nous libérer du mental, de l'intelligence, des samskars, des impressions des vies passées. Et à ce moment-là, elle va commencer à nous révéler une autre dimension, qui est le monde transcendantal. Des odeurs, des parfums, des formes. Au début, c'est des choses qui ne sont pas claires. Mais ça nous attire et ça nous fait, ça fait que, en fait, le saint nom devient comme un arrière-plan qui manifeste les choses. En fait, ça veut dire qu'on devient, on oublie la conception corporelle graduellement et des choses supérieures se révèlent à nous. Et automatiquement, on devient attaché à quelque chose de supérieur. Comme dans ce monde matériel, par exemple, quand on voit, par exemple, une fois, je me rappelle, j'étais à la boutique comme ça, et il y avait une belle femme qui passait, vraiment une belle femme. Et tous les hommes se retournaient. Boum, boum, boum. Alors c'était intéressant comme truc. J'ai regardé ça pour voir si tous, je me dis, est-ce qu'il va avoir un homme chaste? Et même quand il y avait leur femme à côté, ils regardaient comme ça. Et vous voyez même des fois les femmes vont remettre un coup comme ça. Hey! Et puis après c'est la grosse sauce. Ah! Parce que quand quelque chose est beau, vous devenez absorbé. Par exemple, prenez des chiens. Si vous avez une chienne, tous les chiens, ils oublient tout. Ils oublient tout. Hop, ils deviennent absorbés. Ben, de la même manière, le Saint-Nom, quand il commence à révéler des choses, ben vous ne pouvez plus penser à l'énergie matérielle. Vous devenez absorbé. C'est fini. Vous devenez complètement fixé. Et vous commencez à être attaché à Shakti. Vous commencez à goûter un attachement, mais qui n'a rien à voir avec l'attachement matériel, qui procure une félicité merveilleuse. Et si ça s'en va un peu, vous êtes là, c'est la souffrance. Donc, le Saint-Nom, c'est une expérience. Et ça, c'est rien. Ça, c'est rien comme expérience. Parce que quand l'expérience devient plus grande, alors vous pouvez réaliser votre forme. Parce que vous, en fait, le Saint-Nom, il ne peut pas être chanté par une forme matérielle. Donc quand il devient pur, naturellement, le corps transcendantal se manifeste. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que Hare Krishna, Hare Rama, c'est « Oh Radha Rani, engage-moi dans ton service de dévotion ». Donc Radha vient sous la forme du gourou, nous engager, nous parler, nous expliquer, etc. C'est pas compliqué. Pourquoi il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas? C'est simplement un désir. C'est votre désir. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu ne veux pas. Et c'est vrai. Notre désir, il est ailleurs. Notre désir premier, c'est de faire des beaux tableaux, ceci, cela. Mais notre... Alors bien sûr,
on le fait pour Krishna, donc ça va nous amener un jour à avoir le désir supérieur. C'est pas qu'il faut se dire, ah mince, ah ouais, bah là je délaisse le tableau, après il n'y a plus rien. C'est pas ça que je dis. C'est qu'en ce moment, notre désir, il est lié à Krishna, mais il n'est pas pur. Il n'est pas pur, il est mélangé avec ce qu'on aime. Vous comprenez? Par exemple, si je dis à quelqu'un qui aime bien faire de la peinture, je lui dis, maintenant c'est fini, tu fais de la vaisselle, à un moment, la personne va t'épérer. Pourquoi? Parce que c'est pas pour Krishna qu'elle fait les choses, mais c'est mixé pour elle. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que le service, il ne révèle pas le monde transcendantal. Mais graduellement, en écoutant les sadhus, en s'associant avec les sadhus, eh ben on va peindre d'une manière de plus en plus à obtenir Krishna et en se libérant de notre problème. C'est-à-dire que le gourou, il engage les tendances et naturellement, il libère le disciple de ces tendances pour le mettre dans une disposition où il n'agit que pour le Seigneur suprême. Et à partir de là, l'action va purifier le cœur et le chant va pouvoir venir. Parce que pour pouvoir écouter, il faut être dans la vertu. Quand il y a de la passion, on pense à autre chose, ça tourne dans le mental. Blouh, 16 tours, 32 tours, 48 tours, 64 tours, sans écouter un seul sanon. Quand c'est l'ignorance, on dort. C'est l'horreur. Même en marchant, en trébuche. C'est la grosse souffrance. Donc on peut savoir dans quel gouda on se situe quand on chante. Ça va vite. Ou alors une grosse concupiscence qui arrive, tu sais, le gros truc qui tombe dessus. Ah ben ça, avec Krishna. Tu sais. Ou alors une grosse faim, tu sais, l'estomac. On peut rapidement voir où on en est. Mais si on est trop dans l'ignorance et la passion, il y a un moyen pour stabiliser quand même le mental. Et ce qui est important, c'est la respiration. Il faut, si vous respirez lentement, vous chantez par exemple mentalement, le chant mental peut permettre de respirer très lentement, de stabiliser la respiration, comme les yogis font. Et à un moment, en fait, les sens deviennent complètement apaisés, le mental devient apaisé, vous pouvez en fait expérimenter la félicité et pouvoir chanter paisiblement sans faire d'offense. C'est un moyen très très pratique pour progresser. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais moi je vous dis que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très puissant en fait. Parce que ça permet à une personne d'être dans la vertu, et dans la vertu, naturellement, il y a l'écoute qui se manifeste. Et à partir de là, vous pouvez au moins chanter Shralanama Bas. Ça veut dire le chant sans faire d'offense. Et naturellement, ce chant-là, il va vous amener à avoir des réalisations sur Radha et Krishna, etc. Et amener le chant à Shudanam. En fait. Le chant mental, c'est particulier. Et c'est souvent plus long à chanter. Mais c'est très, très, très efficace pour des gens... Alors bon, quand les gens sont très débutants, c'est pas évident. Hein. Mais en fait, le chant mental, il permet de réguler la respiration et de débloquer même la kundalini, des choses comme ça. Et à ce moment-là, alors on devient complètement paisible pour s'immerger dans le chant. Et on peut aussi méditer aussi. Beaucoup de grands dévots chantent mentalement. Ça dépend des institutions, mais dans la Gaudiya Math, beaucoup chantent mentalement. J'ai vu la plupart en fait, ils chantent mentalement. J'ai vu Bodhayan Maharaj chante mentalement. Donc, c'est pourquoi? Parce que c'est naturellement, plus facile pour maîtriser le mental, quoi. Beaucoup plus facile.
Après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes, le champ mental, c'est pire encore. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même une certaine pureté quand même dans le cœur pour chanter mentalement. Parce que le mental est très puissant. Alors que quand on chante à voix forte, le mental, il devient même attiré par le chant. Donc c'est des techniques un peu différentes. Bhaktivinoda Thakur, il le hurlait presque quand il chantait, parce qu'il appelait le Seigneur, mais c'est encore différent. Parce que c'est des Vaishnavas éternellement libérés. Donc, bon. Hein. Prabhupada, lui, il a enseigné qu'il fallait chanter à voix haute. Mais les trois sont possibles. On doit comprendre que si quelque chose est mieux pour nous, on doit quand même l'accepter. Hein. Donc, il y a le chant avec murmure, il y a le chant mental et le chant à voix haute. Ce que pratiquait Haridas Thakur, il chantait de 64 tours de ces trois façons-là. Et voilà, on peut chanter 16 tours comme ça, 16 tours comme ça, après un 16 tours comme ça, par exemple. Et ce qu'il faut, c'est véritablement pas avoir un jour où il n'y a pas d'expérience du Saint-Nom. On doit tous les jours s'abreuver, en fait, du nectar du Saint-Nom. C'est très important. Parce que sans ça, le monde matériel va nous attirer. Il faut qu'on ait un goût supérieur pour que le goût inférieur cesse. Or, le monde matériel, c'est le goût inférieur. Matériel, ça veut dire sexualité. Attirance pour une femme. Attirance pour un homme. Ou attirance pour deux femmes. Ou attirance pour deux hommes. Moi, j'ai pas de... Voilà. Je suis contre personne. Les attirances, ça reste des choses matérielles. Tout le monde peut les dépasser. Mais le point, c'est que tant qu'une personne, elle pense « je suis une femme, je suis un homme, c'est mon mari, c'est mes enfants », c'est qu'elle est une âme conditionnée. Donc sa pratique n'a pas porté des fruits. Complète. Tant qu'elle n'a pas réalisé en fait sa relation éternelle avec le Seigneur suprême, ça reste une âme conditionnée. C'est pourquoi notre but, il est d'aller plus loin. Et le Seigneur a plein d'aspects pour pouvoir nous aider. Hein, même le Shrimad Bhagavatam explique que pour celui qui ne peut pas fixer ses pensées sur la forme du Seigneur, la forme éternelle et transcendantale du Seigneur, emplie de félicité, alors il doit fixer ses pensées sur la forme universelle, sur la nature. Parce que cet aspect inférieur va pouvoir purifier l'être. On ne peut pas ne pas méditer sur quelque chose. Parce que le mental, il ne peut pas rester dans le vide. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on doit plutôt fixer ses pensées sur la forme du Seigneur suprême. Et c'est pour ça qu'il vient dans ce monde, Yedaïda, Masya. C'est pour nous montrer qu'il a une forme éternelle. Alors bien sûr, on ne parle pas des faux avatars. Attention. Srila Vyasadeva, dans le Srimad Bhagavatam, ou dans différents Puranas, comme Bhavishya Purana, il prophétise la venue des différents avatars, parce que dans cet âge de Kali, les gens se font passer pour des mères divines et des avatars. Alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, le Seigneur est apparu dans cet âge, et ça c'est expliqué dans l'Atharva Veda, il est apparu en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Mais quand Chaitanya Mahaprabhu était sur la planète, Mahaprabhu était tellement beau qu'il y a des millions de personnes qui le suivaient. Hein. En fait, c'est expliqué, des millions de personnes. Et à un moment, Chaitanya Mahaprabhu, il est arrivé dans une province extrêmement dangereuse où il y avait le roi Ushatshen. Et lui, il avait cassé des milliers de temples hindous et brisé des divinités. Donc c'était extrêmement dangereux comme endroit. C'était un roi extrêmement cruel, qui torturait les gens vraiment sans pitié. C'était un barbare. Et Chaitanya Mahaprabhu, en fait, dans son extase, il est arrivé dans ce district-là. Et il était tellement en extase qu'il avait tout oublié. Il chantait. Et en fait, à un moment, il y a un ministre du roi qui est arrivé et il a vu la danse de Mahaprabhu, il a vu les larmes, ça giclait, les larmes du Seigneur. Il a vu, comment dire, les poils, la manière que son corps se transformait quand il tombait par terre et qu'il tremblait. C'est comme si que le Seigneur, il se soulevait du sol et qu'il retombait comme ça des milliers de fois.
Il a halluciné, mais il y avait des millions de personnes et tout le monde flottait dans l'extase. Toi. Et les gens, ils criaient les noms du Seigneur suprême et ça remplissait le Seigneur encore plus d'extase. Et personne n'avait jamais vu un truc comme ça. Et à un moment, donc, le roi, il avait entendu parler d'un sannyasi comme ça. Il a appelé donc ce ministre là, il lui dit, mais t'as pas entendu parler d'un sannyasi? Et là il avait les chocottes, hein, parce que faut faire attention à ce qu'on dit avec un roi comme ça. J'ai vu par exemple une vidéo de Saddam Hussein, par exemple. Saddam Hussein, tout le monde connaît, hein. Il était à une table comme ça de réunion, et à un moment il y a un de ses ministres qui a voulu le contredire, il a pris son revolver, pouf, il a tué comme ça, dans la salle de réunion. Poum. Et après les autres. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es si fatigué que ça ? Lève-toi. Et donc, le ministre, il a dit, vous savez, c'est quelqu'un de particulier. Et tous les gens le suivent. Tous les gens, ils sont intoxiqués. Les membres de son corps, ils sont tellement merveilleux. Il a une odeur, il a fait toute une description en fait du corps du Seigneur suprême, de ses pieds, de ses dents, de ses yeux pareils au lotus, de ses mains pareils au lotus, de la manière dont il danse, de la manière dont il chante, de la manière qu'il ensorcelle tous les gens, mais tout était tellement merveilleux. Il lui dit, mais j'ai jamais vu une telle personne, tu vois. Et là, le roi, d'habitude, il aurait tué des gens comme ça. Et là, il a dit au contraire, il a dit, surtout ne le dérangez pas. Laissez-le faire ce qu'il désire. Parce que cette personne-là, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. C'est le Seigneur lui-même. Wow. Vous vous rendez compte ? Celui-même qui avait cassé des milliers de temples, il avait la réalisation, même sans avoir Mahaprabhu, que c'était le Seigneur lui-même en fait, qui était apparu. Il dit, celui que les Védas disent Krishna et que nous on nomme, alors je n'ai plus le nom des musulmans, en fait est venu sous cette forme-là dans le monde matériel. Donc, et à un moment, il a eu un autre ministre quand même, disons qu'il y avait des associés, il y avait des gens proches du roi qui ont eu peur pour Mahaprabhu. Donc ils ont amené un délégué, en fait, pour qu'ils avertissent que Chaitanya Mahaprabhu ne reste pas dans cette région-là, que ça pouvait être dangereux, parce que ce roi-là, il aurait pu changer d'idée 5 minutes après et vouloir tuer Mahaprabhu. Mais Mahaprabhu était tellement absorbé, les gens étaient tellement absorbés qu'ils ne pouvaient pas trouver un moment, en fait, pour parler à Mahaprabhu. Donc ils ont quand même trouvé des associés du Seigneur. Et là, les associés, donc ils ont commencé à avoir un sentiment de peur pour Mahaprabhu. Et à ce moment-là, Mahaprabhu, il a quitté son extase, parce qu'il a senti, en fait, que ses associés, ils étaient dans une anxiété. Donc il est sorti de son extase et il a expliqué, mais que peut faire un roi ? Même sa parole, c'est moi qui lui donne la puissance. On devrait avoir foi dans le Seigneur suprême, et pas en nous. Que peut faire la concupiscence si on s'abandonne ? Où est notre abandon ? Où est notre foi ? En Prabhupada ? En Chaitanya Mahaprabhu ? Vous pensez qu'il ne va pas nous maintenir ? Vous pensez qu'il n'est pas capable de nous donner l'amour de Dieu ? On a tout reçu déjà. Tout est là. C'est simplement parce qu'on a un manque de foi. Donc, on doit pratiquer avec plus de ferveur, avec le soutien de nos acharyas, avec la force qu'ils nous ont donnée. Ils sont venus pour nous inculquer la foi, pour nous sauver. Et c'est nous qui désirons, qui devons prendre cette miséricorde. Elle est disponible pour tout le monde. Ne pensez pas qu'elle n'est pas disponible pour vous. C'est vous qui ne la voulez pas. Vous êtes intéressé par quelque chose d'autre. Tout est là. Qui étudie tous les jours ? Qui essaye de comprendre ?
Qui essaye d'approfondir ici? Maintenant, qui essaye de se défendre? Qui essaye de chamailler tous les jours, d'avoir raison? Voilà notre problème. Et le second problème, comme on n'arrive pas à se connecter et qu'on se connecte qu'à notre limite, et bien à un moment on perd notre foi, on perd notre force. Ou on reste dans le niveau, dans un certain niveau de connexion avec Dieu, mais on ne va pas plus loin. Parce qu'on a trop d'orgueil. On pense qu'on a déjà tout. On pense qu'on est satisfait de notre situation. Mais regardons notre situation. On est esclaves. On est des esclaves. On est conditionné en pensant « je suis un homme, je suis une femme, j'ai un devoir dans ce monde. » Et en plus, on en est fier. C'est juste de la folie. C'est comme un fou qui est content d'être dans un hôpital psychiatrique. Ce monde, c'est simplement un monde de fous qui ont oublié leur réalité. Mais c'est balèze. Et ils sont contents d'avoir oublié leur réalité. C'est balèze quand même. Maya est forte. C'est pourquoi le Seigneur vient et on doit étudier les divertissements du Seigneur. On doit lire sur les divertissements du Seigneur et sur la philosophie. Parce que ça va nous reconnecter à notre réalité. C'est pour ça qu'on a besoin d'entendre les gloires du Seigneur. C'est la médecine la plus puissante. C'est très important à comprendre. Golpe Monday.